C'est fait. L'accord général de coopération en matière de la défense entre la RDC et l'Ouganda est désormais paraphé. Un accord voulu par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, pour notamment mutualiser les forces afin de traquer les terroristes ADF dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce jeudi 9 décembre, à Bunia, le ministre de la Défense de l'Ouganda et de la RDC ont paraphé les deux documents visant à harmoniser le vie pour la réussite de cette opération. Le ministre congolais de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, revient sur le contenu de cet accord. C'est un accord général de défense, mais qui, dans le cas particulier de l'Afrique dans lequel nous sommes, notamment la lutte contre l'ADF. Vous savez très bien que l'ADF est un ennemi aussi bien du Congo que de l'Ouganda. Il est tout à fait normal que nous puissions le combattre de manière mutuelle. Et dans cet accord-là, cela est considéré. Et il y a aussi d'autres aspects coopération militaire, de même économique, ils sont liés à la défense dans la aussi une probable participation de la MONUSCO dans cette opération conjointe FRDC-UPDF. Le ministre ougandais de la Défense, l'honorable Vincent Balamungashi, répond à ce terme. Une question, excusez-moi, comme vous le savez, la MONUSCO a toujours été ici. Et pour ce qui est de leur participation, la présence, nous n'avons rien à dire. The whole thing is now our armies, both armies, they are ABC and UPDF, how they work on it. That's the rest of it. Ce qui est très important pour nous, c'est de voir comment l'UPDF qui est en décès de travail sans nous. Signalons que c'est vers 16h local que la délégation ougandaise a quitté Bunia après 24 heures de mission pour regagner Kampala, salué à l'aéroport Morongo de Bunia par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny. La population de l'Ituri doit garder espoir et faire confiance à l'opération conjointe FRDC-UPDF pour les retours définitifs de la paix en Ituri et dans le Nord Kivu. Message d'assurance, deux élus nationaux de l'Ituri faisant partie de la délégation du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a bouclé sa mission de 4 jours à Bunia. Je profite de l'audience de vos antennes pour lancer un appel vibrant aux membres des groupes armés locaux. Que nous ne sommes pas prêts de les perdre. Nous ne sommes pas prêts d'aller à guerre contre les enfants, les filles de cette province. Ils doivent garder leur retenue. Sinon, ils risquent d'être assimilés comme les ennemis étrangers. Et je rassure à la population, nous sommes tous jeunes et nous allons user de notre pouvoir pour que les choses changent. Nous avons soif de voir notre province revivre la bonne ambiance que nous avons toujours vécu ici. Bunia la viande, Bunia la paix doit revivre ça. Avant de quitter Bunia, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, a visité les blessés de guerre internés au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Bunia. Question de leur apporter un soutien moral pour le sacrifice consenti au prix de leur sang. Il faut dire que cette mission mixte gouvernement parlementaire de l'Ituri et du Nord Kivu fait suite aux recommandations des élus de ces deux provinces pour plus d'efficacité de l'état de siège. Ces jours d'activisme, occasion pour la porte-marisse de cette structure, Madame Jeanne Alacha, d'a plus ces femmes à conscientiser leurs maris engagés sur la ligne de front au respect de ce droit en cette période où l'armée fait face aux groupes armés. Les messages clés, c'est d'abord pour dire elles sont des actrices, des vraies actrices qui peuvent lutter contre les violences, des actrices de la paix à travers l'encadrement qu'ils ont avec leurs maris. Vous savez que nous sommes maintenant en état de siège avec les guerres. Les militaires et les policiers sont les personnes qui sont très sollicitées, qui subissent aussi des violences. Mais maintenant, leurs épouses peuvent les accompagner en sachant qu'est-ce qu'il faut faire, en sachant les lois et aussi à cet égard, à ce mouvement des femmes qui peuvent vraiment faire quelque chose.
Ce message a trouvé un écho favorable auprès de ces femmes. Lakini sasa tunaona kwamba ile akili nyeba kunatupatia tu tunaona baherere yetu mingi ya ndani ya nyumba na batoto yetu hata na babwana yetu hatukua na yua kusema ke ile yote kama violence na sasa mbona tunatufundisha tunaona kwamba iko mzuri sana kusaidia na watusuache siku zingine vile bafike na pia watufundishe tena en tout cas il faut ezala la habitude ya kuleka tout le temps chaque fois ko côté ya biso et ko sala biso efumula biso pe ba mémoire talaka ba mama ko lamba banini mémoire qui m'a vraiment manqué ce que bazoka ko tala biso bazou bisa biso ma mémoire ko tozonga quand même na kati ya ligne le quoi ba mama nyos. Signalant que cette campagne de 16 jours d'activisme a été organisée sous les thèmes provinciaux, ensemble avec l'état de siège, engageons-nous dans la lutte contre les violences faites aux femmes et jeunes filles pour la paix et la sécurité en Ituri. Une lutte qui devra continuer même après cette campagne, a conclu Madame Jean Alacha. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongwa, a reçu à son cabinet de travail ce 13 décembre 2021 une forte délégation venue d'autres provinces pour participer au Forum national sur les SIDA dans le monde du travail. Parmi ces personnalités, Paluku Jean-Prévost, PELKA, qui vient de boucler Road Cap, une activité de relance du tourisme, mais aussi de la promotion de la viabilité du Nord Kivu face au marketing en rapport avec la guerre en province. Nous sommes au Nord Kivu. C'était d'abord pour l'événement de Road Cap que j'ai pu organiser pour la relance du tourisme congolais. Et là, je tiens à saluer Son Excellence Mondero et le leadership. Et je salue également la présence du président qui a fait le déplacement pour l'encourager en tant qu'entrepreneur. Et nous disons merci. Merci aussi à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur et le lieutenant général pour avoir accordé cette audience. Le président de la FEC, Lualaba, a marqué sa présence à cette rencontre. Platini Kipelo estime que la productivité est tributaire de la bonne santé des travailleurs. Dans le monde du travail, le grand capital, c'est la santé. Quand les travailleurs sont en bonne santé, vous avez une bonne production. Et si la FEC s'est mobilisée pour être là, c'est pour démontrer la force que nous tenons à la santé des travailleurs et qu'avec tout ce que nous aurons comme ressources de financement, nous allons mettre à la disposition de l'organisation au forum pour que nous puissions atteindre les objectifs qui se sont déjà assignés d'ici 2030. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pour un accompagnement le plus meilleur possible. Le Lualaba, à la fin de ses assises, va remettre le fanion des FONAST 5 au Nord Kivu, précise Marie-Louise Lusenge de la fonction publique. Il se tient depuis ce lundi 13 décembre 2021 à Goma, la 6e édition du Forum national de mobilisation du monde de travail contre le VIH-Sida, FONAST, qui réunit les différentes provinces du pays. Et en pour thème, agir pour l'objectif 95-95-95 d'ici 2030 dans la riposte au VIH-Sida dans un contexte marqué par la COVID-19, les épidémies et crises humanitaires. Dans son mot de bienvenue, le conseiller principal du gouverneur militaire en matière de santé, le général des brigades Sylvain Ekenge, a, au nom du gouverneur, rassuré les participants de l'implication de l'autorité prévue. De l'autorité provinciale pour la réussite de ce forum. Sylvain Ekenge a invité les participants à se mobiliser pour mettre fin à toutes les autres pandémies. Nous croyons très sincèrement que vous serez nos ambassadeurs, les ambassadeurs de la province du Nord Kivu, partout où vous serez, pour montrer à la face du monde que la paix n'est pas une chimère au Nord Kivu, qu'elle est en train de revenir lentement mais sûrement au Nord Kivu grâce à l'état de siège programmé depuis le 30 mai 2021 par le président de la République et que les Gomatraciens et les Gomatraciens
sont champions en termes de résilience et de gestion des catastrophes bénéfiquement provoquées par l'éruption du volcan Miragongo et des tremblements des terres qui en découlent. Quelles que soient les circonstances, à la fin de chaque épiphénomène, à la fin de chaque événement provoqué par le volcan, Goma renaît de ses cendres et de la même manière. Signalons que ces assises se tiennent sous le haut patronage du président de la République de la RDC avec le soutien du gouvernement provincial du Nord-Kivu et de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord-Kivu. L'instruction de la cause, auditeur général, ministère public contre le général-major Igila Yav Jean-Luc et consorts, s'est poursuivie vendredi 3 décembre 2021 devant la haute cour militaire à Kinshasa. À la barre, le renseignant colonel Okende Dibere Jacques, chef de département ravitaillement adjoint à l'état-major logistique, est venu éclairer la cour sur l'évacuation d'un charroi automobile du PSL central à la base logistique centrale entre 2017 et 2018. Le colonel Okende a déposé qu'il avait reçu l'ordre du chef d'état-major général de superviser l'assainissement de l'enceinte du PSL central qui relevait de son département. Mais l'exécution de cette opération a été assurée par le département de transport de l'état-major logistique. Le renseignant dit n'avoir pas vu un bond d'enlèvement des véhicules établis par le général-major Igila, alors commandant de la base logistique centrale. Pour sa part, le renseignant colonel Moko Itambokami, commandant du bataillon transport à la base logistique centrale, a fait l'état des lieux du garage de cette unité. Il a donné les statistiques des charrois organiques, non organiques et stratégiques dont regorge ce garage à ce jour. La situation présentée à la cour reprend le nombre de véhicules en ordre de marche, ceux qui ont de pannes réparables et non réparables. Lors de la confrontation, le prévenu général-major Igila a qualifié la déposition du renseignant colonel Mboko de la simple distraction car dénuée de tout fondement. Pour lui, certains véhicules cités dans son rapport n'existent pas dans l'inventaire du patrimoine de la base logistique centrale. Le prévenu capitaine Mutanda Mukunde, ancien commandant compagnie 2e échelon, maintenance à la base logistique centrale, a abondé dans le même sens pour dire qu'il ne se retrouve pas dans toutes les déclarations du renseignant colonel Mboko. Les prévenus, premier sergent-major Mandoka et premier sergent-major Molingo, ainsi que le renseignant adjudant Kapiamba Dona, ont avoué avoir voyagé le 16 juillet 2018 par le véhicule de marque Kras de la base logistique centrale jusqu'au village Mawanga au Bandundu et ramener le sac de cossettes du manioc et de maïs à Kinshasa pour le prévenu major Kabir. Cependant, dans la feuille de route, il était écrit achat de vivres des militaires au profit de la base logistique centrale. Pour le ministère public, représenté par le général-major Bivegete Pingasolojan, les prévenus général-major Igila et major Kabea sont passés aux aveux en disant qu'ils ont utilisé les véhicules de l'armée pour transporter le foufou et le maïs à titre privé. Enfin, le soldat de première classe Mwamba Kouji de la base logistique centrale a déclaré devant la cour qu'il était détaché entre 2017 et 2018 par le général Igila auprès du sujet chinois Zhao Ziyan pour assurer la garde de sa société à Kingabwa. Le prévenu Igila dit ne pas connaître le chinois en question, mais il a reconnu avoir détaché les militaires de la base centrale aux abords du palais du au stade de martyrs pendant les émeutes. À son audience du mercredi 8 décembre 2021, tenue à la prison militaire d'Indolo, la haute cour militaire a examiné l'appel du prévenu commissaire supérieur adjoint Paul Mouilamboui. Cet appel a été déposé mercredi 3 décembre 2021 contre l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu en 2011, condamnant par défaut notamment le prévenu Mouilamboui à la peine capitale pour assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, association de malfaiteurs
terrorisme, désertion simple et détournement d'armes et munitions de guerre. Après sa fuite depuis 2010 en Belgique, le prévenu Mouilamboué est venu comparaître avec deux autres prévenus fugitifs, le commissaire supérieur Kenga Kenga, Christian, et le commissaire Migabo Kézi, Jacques, condamnés eux aussi par défaut pour le même fait. Dans sa déposition, le prévenu commissaire supérieur adjoint Paul Mouilamboué, ancien commandant de sécurité de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, a clamé son innocence, mais il a reconnu avoir reçu Ferubel Chebeya dans son bureau le 1er juin 2010, peu avant son exécution. Parce que l'assassinat s'est effectué le 1er, le 2, le 2 non, le 3, le colonel Daniel Moukala était arrêté, et d'ailleurs c'est Christian Goué qui m'a appris que le colonel Daniel était arrêté. C'est la nuit du 3 au 4, si je ne me trompe pas, qu'il m'a révélé tout ce que je viens de dire. Et là, je voudrais préciser en disant, parce qu'il me parlait en Kilouba, Christian me parle très bien Kilouba. Il m'a dit ceci, je dois traduire, il me dit Kambo, parce que souvent il me parle un Kambo, Kambo. Il me dit non, écoutez un Kambo, qui ici qui djanga l'okonde, qui djimunda moi l'okonde, je dois interpréter. Qui ici, vous voyez les haricots, il y a des insectes qui entrent, qui mangent les haricots, ça doit se retrouver toujours dans les haricots. Moi, en tant que Mouloubakati, j'ai compris tout ce qu'il me disait. Il me disait tout simplement, on m'a confié des travaux et ce travail va m'amener très loin. Je dois subir le même sort. C'est la tâche d'abord qu'il a engagée, qui se quitte dans la Lukunde, qui se quitte dans la Lukunde. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à me révéler en disant, le fait que le général John Mumbi n'était pas au courant de votre présence et que c'est moi qui l'ai appris de votre présence, il m'a donné l'ordre de tuer. Ça, c'est Christian Goué qui me l'a dit. Mouilambe, moi, je préfère que nous quittions ensemble. Parce que je ne voudrais pas, je ne voudrais pas mettre ta vie en danger. Je ne voudrais pas te tuer. Parce que le général Diomou, d'abord, m'avait promis, après l'exécution, parce que j'avais suivi le procès, on parlait de 40 000 dollars. Mais c'est peu. Ce qu'on avait ce qu'on avait promis à Christian Goué, c'était 500 000 dollars. Ça, c'est Christian qui me l'a dit. Pour l'auditeur général, ministère public représenté par le colonel magistrat Longuango Moïni Richard, le fait pour le prévenu Mouilamboué de reconnaître la présence de Chebeya dans son bureau est un aveu de sa participation criminelle. Il y a eu aussi des révélations où Mugabo avait dit que lui aussi était au courant de la mort de Chebeya. C'est bien bon de dire ce que vous dites là, nous vous applaudissons. Mais au moins, le prévenu savait que Chebeya était en train de vivre ses derniers moments. Puisqu'il a commencé par dire, citer même un verset, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous, à votre niveau, vous saviez que Chebeya allait mourir. Et Chebeya est venu dans votre cabinet en attendant son sort, avoir été ce jour-là jusqu'à 20h. Si vous ne saviez pas que Chebeya allait mourir, pourquoi vous êtes-vous arrivé ce jour-là jusqu'à 20h? Et on est venu prendre Chebeya chez vous. Est-ce que vous pouvez dire à la cour? C'est facile de dire que je suis là, je peux travailler à tout moment, à n'importe quel je peux quitter. Mais le 1er juin, le jour où Chebeya allait mourir, avant de mourir, le seul bureau qu'il a visité, où qu'il a été reçu, c'était le vôtre. La cour militaire de Kinshasa Matete a auditionné lundi 6 décembre 2021 à la prison militaire de Ndolo le réquisitoire du ministère public dans l'affaire du meurtre de l'activiste de droits de l'homme Rossi Mukendi Chimam. Le ministère public représenté par le colonel magistrat Mbuta Mutu Parfait a demandé à la cour de condamner les prévenus commissaires supérieurs Lokesu Karine et brigadier en chef Tokis Kumbu à la peine de servitude pénale à perpétuité chacun. Les deux prévenus sont accusés de violation des consignes et de meurtre de Rossi Mukendi commis lors de la marche du comité laïque de coordination organisée le 25 février 2018 à la paroisse Saint-Benoît
dont la commune de Lemba. En outre, l'organe de la loi a requis la peine de 10 ans de servitude pénale principale contre le prévenu, l'APJ Bivial Makianda Emmanuel, en fuite pour violation des consignes. Dans leur plaidoirie, les parties civiles ont sollicité de la cour la condamnation de ces trois prévenus au paiement de 11 000 dollars américains de dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus. La cour militaire de Kinshasa-Matete, présidée par le colonel magistrat Koufi Manzila José, avait renvoyé l'audience au mardi 7 décembre 2021 pour les conclusions du collectif de la défense. C'est lundi 6 décembre 2021, le général de brigade Anton Longondja Lobanji, commandant base logistique centrale ad intérim, a effectué une visite d'inspection et de travail dans les installations de cette grande structure des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a inspecté tour à tour les ateliers de couture, menuiserie et de cordonnerie où sont entrepris les réfectionnements des machines et réaménagement des locaux pour insuffler une nouvelle dynamique. Ici, le général Longondjo circonscrit les cadres. L'industrie militaire qui prône le ministère de la Défense peut avoir son berceau à partir de la base de l'Institut central. Le chef de l'armée générale veut que nous commençons à fabriquer les tenues à partir de nous-mêmes. C'est pour cela que nous mettons en œuvre nos machines, nous réparons les machines, nous en traitons les machines pour attendre l'arrivée des tissus et on va confectionner les tenues à partir de ces là. Profitant de l'occasion, le général-major Assoumani Issa, commandant corps logistique, a épinglé les objectifs et activités logistiques réalisées. Il a signifié que le corps logistique s'inscrit dans la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui envisage la production locale des équipements militaires pour ne plus recourir à l'importation. Pour cela, le commandant corps logistique travaille d'arrache-pied avec tous les collaborateurs pour la matérialisation de la vision du commandant suprême. Sur instruction du commandant suprême, d'arriver à mettre sur pied une industrie militaire. Nous avons la mission principale de soutien logistique de toutes les unités de FARDC. Et cette industrie militaire a plusieurs volets. Et dans cette industrie, il y a aussi l'industrie production. C'est dans ce cadre-là que le ministre de la Défense a mis des moyens à la disposition de la base logistique centrale. Par ailleurs, le colonel Pierrot Mbolinko, commandant bataillon des ateliers, qui supervise bien sûr ces travaux, explique le fonctionnement des machines. On doit réparer la table parce que on commence d'abord par tracer le tissu et puis amener à la machine pour couper. Après la coupe, maintenant, on donne derrière pour commencer la confection. Donc nous allons utiliser la méthode en chaîne. Puisque nous avons aussi des machines spécifiques que nous allons utiliser. Il s'y est de signaler que la base logistique centrale œuvre également dans la professionnalisation technique des militaires, soldats et leurs dépendants, même certains civils qui ne cessent d'y fréquenter pour leur stage professionnel. Là même, d'autres projets sont réalisés, notamment élevage, agriculture et la pisciculture, sous l'initiative du commandant base logistique, général de brigade Anton Longondjo.